Je l'ai regardé jusqu'au bout, moi. Je dis, ouais, le mec passionné, direct. Non. Non, je regarde beaucoup. Bah, je regarde que des vidéos de train, là, des vidéos RC, je regarde plus, là, maintenant. Moi, j'en regarde de temps en temps parce que j'aime bien rouler, mais regarder les vidéos, bon. Puis les seuls que je regardais un peu, c'est bah, de temps à autre quand les mecs expliquaient quelque chose, quoi, tu vois. Mais sinon, moi, regarder des gars rouler, ce que j'aime, c'est rouler. Après, regarder les mecs qui roulent. Non, mais moi, des fois, j'aime bien revoir mes propres vidéos pour. Ben, pour comparer, des fois je compare avec d'autres vidéos, même en scale, hein, c'est pareil, hein, j'aime bien. Ben, après, il y en a qui me suivent régulièrement sur ma chaîne, dont un qui est en Allemagne, et tous les week-ends, lui, il met une vidéo scale, étreint à l'échelle EN, justement. Par contre, lui, la plastique. Et c'est, ouais, c'est comme moi, mais bon, lui, il a un sacré emplacement. Tu vois son train, waouh, il est énorme. Tous les dimanches, il met une vidéo. Tu vois, ça se sent pas entre 3 et 2S, tu vois. Tu vois? Moi, je te dis, 2S ici, ça le fait, hein. Franchement, ça le fait. Ah, je suis reparti en train de alors. Ça va être plus doux sur la gâchette de l'accélérateur dans le virage. Ouais. Ah, puis là, je vais voir l'autonomie comme ça pour demain. Bah, je saurai, normalement, j'ai 5-2S, donc voir comme on va rouler toute la matinée. Donc, ça va me permettre de voir combien il m'en faut, quoi. Ouais, c'est toute flinguée, mes 2S. Ah ouais. Des Traxxas, non? Des Genas? Non, des Genas. Je m'en sers pas souvent, en fait. T'as une cellule qui s'est détériorée. Oui, le Genas, à chaque fois, c'est le même problème, hein. C'est incroyable. Donc là, non, sur même les pertes, celles qui m'ont l'air qu'il est quoi, là, avec, je sais plus si c'était avec le tout ce qui quoi, il y avait une 2005 et 2008. Je crois que sur les 5008, il y en a une 5008 qui est flinguée, j'ai une autre 5008, mais qui n'était pas de toi, qui est flinguée. Ouais. Et je crois que les 6005, j'ai réussi à récupérer celle qui était... Ah, tu prends des raccourcis. Ah, c'est pas. Tu prends des raccourcis, tu vas trop vite en fait. C'est pas le bon plan. Ah, j'ai plus de lipo déjà. Je suis à fond. D'accord. Attends. Ah, bah ouais, ça y est. Attends. Ah merde. Ah non, je sais pas, on dirait que c'est reparti. Ah, c'est louche. Justement, c'est pas ta lipo qui en peut plus. Bah, elles sont récentes en plus, ceux-là. Quoi, récentes, c'est celles que j'avais pris iSpace à l'époque. Normalement, ces lipos-là, elles étaient en état. Donc, et même de visu, elles sont en bon état. Hein. Ah, tu prends des raccourcis. Hein. En fait, là, c'est la voiture qui pilote toute seule. Hein. Moi, je pilote plus rien. Ah ouais. J'ai vu qu'elle glisse, si tu veux, j'arrive pas à le faire. Donc, ça, par contre, on va en fait la poussière. Ouais, demain, ça va être tendu, je crois. Moi, je suis content de pas être là, en fait. Bah, c'est surtout, nous, on va venir avec des petites machines, mais Aurélien, avec l'XRT. Ça va être chaud, quoi. Non, regarde, putain, c'est on aurait dit qu'il y avait eu une chute de tension. C'est bizarre, ça. Non, parce que ça m'étonnait. Attends, c'est je verrai sur la vidéo, mais ouais, en fait, c'est les ponts qui sont trop larges.
D'accord. Par rapport à la caro. Donc en réalité, à part si je mets des extensions d'ailes, il faudrait que je vois si je peux pas trouver des extensions d'ailes, remarque, ça pourrait faire pas mal. Oh ouais, faut voir. Tu les as ramenés là, non? Ouais, ouais. Ah, ok. Ah ouais, je les avais ramenés directement dans le sac après avoir essayé. Comme ça. Wow, putain. Par contre, c'est vrai que sur le Bronco, je trouve ça pas mal les choses noires. Ouais. Ça lui donne un côté plus récent. Tiens, je suis à fond. Putain, c'est pas possible. Je suis à fond. Et ben voilà. Et là, hop, et là, ça repart. Putain, c'est bizarre, ça. C'est bizarre. On roule plus vite que les vélos, hein. C'est bizarre qu'il y ait une chute de tension. Tiens, ça y est, ça recommence. Je suis à fond, là. Et là, ça repart. Et là, ça repart. Oh, c'est pas net, ça. Oh, mais là, c'est chiant. Tu vois, ça repart. Je me demande si c'est pas mon cut-off. Ouais, peut-être, ouais. Parce que là, c'est un Obi-Wing, le Contro, il tourne en 4S aussi. Et je sais plus si le cut-off, je crois que je l'avais mis en autocalculate normalement. Ah, je me souviens plus. Wow. Ouais, putain, c'est ouais, je pensais qu'il allait suivre la piste cyclable. Putain, ça y est, je suis re à fond. Et là, ça repart, d'un seul coup, ça repart. C'est incroyable. Ah là, il relâche, là. Putain, merde. Ouais. Bon, je vais la remplacer et je verrai chez moi combien qu'elle est. Putain, toi, là, je suis à fond. Et hop, elle repart toute seule. Tu vois, je reste à fond et elle s'arrête et elle repart. Alors, soit c'est la lipo qui a une claque. Soit c'est le contrô. Demain, il faudra que j'essaye avec le contrô que j'ai sur l'autre, c'est un Vixel. Donc là... Ah non, bah là, ouais, bah je vais arrêter, je suis à fond, voilà. Je reste à fond, et hop, ça repart. Ouais, bon, je vais arrêter, je vais la remplacer. Et chez moi, je contrôlerai combien qu'elle est. Je vais regarder si ça serait pas la chauffe, mais ça m'étonnerait. C'est pas la chaleur en ce moment, hein. Putain, pour on arrive fin mai bientôt. Bon. Non, je laisse mes doigts dessus, c'est bon. Je laisse mes doigts dessus. Donc je sais pas. Non, je laisse mes doigts sur le moteur, pas de problème. Hein. C'est le contrôle. Pareil, les prises, il n'y a rien qui... non, nickel. Bon, ben, je sais pas. Je la contrôlerai. Bon, j'arrête de filmer, je regarderai avec l'autre typo que j'ai.